Yo yo yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Urbex du dimanche. Urbex visite by TinoPix. On se retrouve dans la maison du gynécologue, c'est parti. Il y a un peu de tout, c'est un peu mélangé. Vas-y, je vais aller voir. Reste. Oh, petit poil, c'est marrant. Je pense que cette maison va nous réserver éventuellement des surprises. Ouais, si on arrive à accéder au reste. Ah, c'est fermé ? Ouais. Ah, il y a un peu de vieux thermostat là, la chienne. Une belle console. Oh, c'est 10 quais de ouf ici. Oh, il y a mon meuble. Ah, c'est joli. Le meuble, il a pris cher. Hein. Ah, l'humidité, elle l'a attaqué là. Oh, la sculpture. Ouais, c'était des beaux meubles. Oh, elle est magnifique la sculpture. T'as un repère d'araignée ici. Oui, mais il y a encore. Attention, ouais. Je suis bien toi. Il y a partout. Mais il y a encore tout dedans. Ah oui, il est que ça soit fermé là. T'as trouvé ? Non. Je vais aller voir dehors. C'est quoi tous ces objets là ? Mais il y a tout. Regarde, il y a des boîtes à tabac, genre de cigares. Là-bas. Je faisais genre là-bas. Ouais, j'ai vu ça. C'est bizarre. Mais c'est des objets de valeur en plus. Hein. C'est des beaux bibelots dans le lot. Voilà l'arrivée du mec relou. Belgique ? France. Ok. C'est ma son de docteur. You speak English ? Non. Non ? Je ne parlais pas français. Attends. Donc ce type est arrivé. Il dit Do you speak English ? Tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Je dis oh, non. Je chantais le hollandais bien relou. Donc, je l'ai envoyé à ma pote Laurie, hein? Laurie, on a la visite. La visite. Merci. Non, mais maintenant. Alors, prochaine vie, pensez-y. Quoi?
Nous y sommes. Télé, un petit fourneau, un ch'ti fauteuil, ch'ti salle de bain. C'est pour ça que je suis arrivé, il y a l'escalier ici. C'est pas ce qu'on m'avait vendu, hein. On a vendu du rêve. J'ai pas du rêve tant que ça. Ça n'a rien à voir avec les photos. C'est quoi ce bordel? Quelle copine? On l'appelle les copains comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas les bêtes! Le mec, il a ouvert le spot parce qu'en fait, c'est un de ses potes qui avait caché la clanche. Et du coup, lui, il est venu la récupérer et il a pu ouvrir cette fameuse porte. Mais si c'était que ça, ça irait. Mais le mec, il a squatté comme un porc dans la pièce principale, pendant que nous, on se prenait le temps de faire le reste, parce qu'il prenait un temps impossible, il a dû passer au moins trois quarts d'heure dans la pièce. Et au bout d'un moment, il daigne nous laisser la place, on dit alléluia, on va pouvoir enfin travailler tranquille. Il y a des trucs en ivoire, on dirait. Il y a un col, il y a un éléphant. Bon, ça, il y a tout un carton. Il y a une carrière, il y a encore un nouveau truc et tout dans l'alcool et tout. Ouais. Ma mère qui habitait là, elle mettait que du guérin et elle se mettait que avec du guérin. J'ai trouvé des maquillages, ça m'a valu la peau du cul. J'attends qu'ils ont fini. Ah, c'est vrai qu'ils ont. Heureusement que je n'ai pas compris parce que du coup je trouve pas la grille. Et en fait il m'a dit que son pote qui lui a donné ce pote, il a dit qu'il fallait une clé pour C'est pas oufissime le truc à coiffure là. Moi ça m'a trouvé le cul. Si. Mais c'est pas du vrai.
capsule arme gélule. Salut Flux. C'est là, tu as parlé une fois en anglais. Je te fais chier. Oh, mais arrête de me faire chier, putain. Petit niche, bah, c'est pour toi, alors. Je rentrerai de. Et il n'y a pas des médicaments. Chut. Oh, ma fort. Discrétion de cette femme, là. Incroyable. Cabinet gynécologique. C'est incroyable. Incroyable. Ah, la lecture sympathique, ça. Le mec, même pas 10 minutes après, il était déjà de retour, dans la pièce. Juste pour faire chier son monde, à déballer son matériel et vidéo, comme s'il pouvait pas le faire ailleurs. À mon avis, il voulait juste que j'ai pas les mêmes clichés que lui. Donc, il est venu exprès foutre sa merde, tu vois. Se mettre dans le cadre, comme ça, j'avais pas les mêmes photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, j'ai pas pu filmer plus la salle parce que bah, le monsieur relou hollandais, bah, il a squatté comme un porc. Et bah, du coup, ça m'a bien vénère, ça m'a cassé les couilles. J'avais mes photos, plus ou moins, même si j'aurais voulu en faire quelques-unes avec des angles différents. Mais bon, monsieur casse-couille était là. Donc j'ai fait ce que je voulais plus ou moins et j'étais trop vénère pour continuer à me battre avec un connard. Donc j'ai dit à Laurie, on se casse. Elle avait fini aussi plus ou moins de son côté. On était dégoûtés parce qu'il nous a quand même gâché un peu le plaisir de cette magnifique pièce. Enfin magnifique, look à souhait. Mais voilà quoi, c'était quand même le clou du spectacle comme on dit. Donc ça nous a bien vénère. On le retient celui-là, hein, Dust Explorer, je sais pas quoi là. On va bien te faire. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, vous partager, vous liker, vous balancer un pouce bleu parce que cette expo était vraiment dingue. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, big up, peace!